J'étais pas dans le bon corps, dans les bons skis. Ben, l'ancienne moi, l'ancienne Jade, elle était toujours dans le parc, matin au soir. Il me manquait ce sens-là de liberté, puis ben, le backcountry, c'est ça que ça m'a apporté. Ben, c'est sûr qu'en annonçant à mes parents, ça n'a pas été facile, mais je leur ai tout expliqué, puis comment que j'allais être plus heureuse là-dedans. Mais j'ai décidé de partir de chez mes parents, puis de vivre le backcountry pleinement. Je dors très souvent dehors maintenant. Je vais vous parler de mon gear, pôle ajustable. Les skis, très légers, ça pèse rien. Regarde. Les fixes, tech, mode ski, mode marche. La talonnière, 1-2. Harnais, corde pour la rescousse en crevasse, j'espère. On a le beacon, bien sécurisé en cas d'urgence. C'est pour me retrouver, donc j'espère que quelqu'un va me retrouver. Mon sac à dos de backcountry avec le système airbag. Si je me fais prendre dans une avalanche, je déploie le tout et je survis. À l'intérieur, ma sonde, la pelle, on assemble. Avec ça, je peux trouver quelqu'un, creuser un abri, construire un fort, un igloo, pelleter mon entrée de garage. Indispensable. Désolée, j'ai plus l'habitude, hein. Alors, c'est ici l'entrée du parc. Donc, venez, je vais vous montrer. Donc, je vais vous amener là où j'ai découvert le backcountry. Le premier cliff qui m'a fait réaliser qui j'étais. On est arrivé. Wow! C'était le fun! Donc là, on est à l'entrée du secteur backcountry du sommet Olympia. Je vais vous emmener faire un tour. Donc là, j'applique mes peaux pour pouvoir commencer l'ascension. Ça me permet vraiment d'atteindre des régions éloignées, d'aller au-delà de l'horizon. Parti! Alors là, on vient d'arriver en haut, donc j'ai envie de faire du backcountry!